messieurs. Merci de nous faire l'honneur de venir à mon cours. Chez nous, d'être en train. Les autres, pendant ce temps-là, on va reprendre le cours. Bien, on va voir la combustion du propane dans le dioxygène. D'accord. Donc, là, j'ai l'équation. Bah, bravo l'entrée. Je croyais que tu étais indiscret. Un peu de silence, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais là? Maintenant, on va passer à la manipulation. Puis c'est bizarre. Arrête, Adrien, on a déjà eu un conseil de discipline. On a des cours et ça va mal aller. Maintenant, cette foutue date. Adrien, je crois qu'on a fait un bond dans le passé. Arrête de me sembler, t'es pas drôle. Tu crois sérieusement qu'il va y avoir la bonne sœur d'Ed Taylor qui va se ramener avec une cloche pour sonner à la fin des cours? Numéro 2. T'arrêtes tes conneries et tu me dis ce que t'as mis dans le tube à essai. On n'a pas le droit de parler à des inconnus. D'ailleurs, la présence de garçons est strictement interdite dans l'enceinte de l'établissement. D'après le règlement que nous avons toutes signé. Elle a des yeux. Bien sûr qu'elle a des yeux. Ils sont magnifiques. Mais rien ne te retient, Miss Parfaite. Tu viens? Ouais. Fais gaffe, elles arrivent. Retire ta blouse, vite! Salut. Moi c'est Sylvie et elle c'est Nathalie. Salut les filles, moi c'est Adrien. Vos noms sont plutôt bizarres. Mais au fait, comment vous avez fait pour rentrer? C'est un petit peu compliqué. Hein. J'adore mes vêtements. Je suis venue essayer de vous raisonner une dernière fois. Ils n'ont pas le droit d'être ici. Adrien, ça te dirait que je te fasse visiter l'école? Bah ouais, ouais, pourquoi pas. Ne fais pas ça, Sylvie. Hortense, n'insiste pas, je ne bougerai pas. Bon, d'accord. Bon, je vais aller prévenir Sœur Marie-Chantal. Si elle va prévenir Sœur Marie-Chantal, nous, on doit pas partir quand même. T'en fais pas, elle est pas méchante. Alors, est-ce que je peux savoir comment ton ami et toi vous avez fait pour rentrer? Si je te raconte, tu vas nous prendre pour des fous. It just makes me sad. I see it, 'cause I like to be gone most of the time, and you like to be home most of the time. Qu'est-ce que tu portes à ton poignet? C'est très joli. Tiens, c'est pour toi, pour que tu te souviennes de moi. Nathalie! Jérém, tu foutais quoi avec ta main là? Tu l'embrassais? Ça suffit! Vous êtes complètement irresponsable! Ouais, je veux pas le savoir! T'as pas fait un rêve trop bizarre? Si, j'avais été à Barra il y a 40 ans. Et là-bas, on rencontrait trois filles de l'époque. Ouais, ouais. Sylvie, Nathalie et Hortense là. Ouais. Hortense complètement allumée d'ailleurs.
c'est pas possible. On a filmé loin. Je suis désolé. Faites attention. C'était pas ta gourmette qu'elle avait, la prof. Nathalie! Thank you.